Ah, on attaque les demi-finales, enfin, avec l'équipe de DAS. Hein. Et c'est toujours Minami qui commence ses hostilités face à l'équipe Kimpatsu, Mayokala et 666. Et c'est Triple 6 et son Akan hein, qui commence face à Minami. DAS qui n'a jamais été réellement aidé par son équipe. Hein. On est arrivé pour le moment jusqu'en demi-finale uniquement grâce à sa Viper. On espère ici, il y a quand même Akan en face hein, qui est le tiers du jeu, hein, considéré comme le lotier du jeu avec Dan. C'est peut-être le moment d'essayer de faire quelque chose pour cette Sakura. Et oui là, juste après le follow-up, le Shoken qui passe dans la garde et la punition, c'est 360. Et là, on se rapproche peut-être. Non, il en profite pour se huiler. Je rappelle que lui là, j'ai évidemment cumulatif. Hein. C'est une des nouveautés de Akan dans ce jeu, c'est-à-dire que ça ne reset plus. Ce coup-ci, le temps de huilage est additionné à chaque fois. Allez, bas medium kick Shoken après l'enchaînement de light. Un petit jump cross-up de LK, ça passe dans un backdash. Du coup, il est airborne. Malheureusement, il reprend le combo et c'est stun. Bas gros point. Premier round pour Minami. Ah, ça va être difficile quand même. Hein. Ça semble être extrêmement difficile pour ce Akan. Il a beau avoir l'Ultra 2. Ça ne rentre pour le moment pas. La super est chargée pour Minami. Je sais pas comment il va faire. La Shippukyaku qui fait un cross down. Bas gros point. Le Shippukyaku encore avec la chop juste après le décalage. 6-6, toujours sous les coups. Et il envoie un ex village. Vous avez vu qu'il cancel par le bas 3 points. Quand même relativement intelligent. Ex 360, ça passe. On se ruile juste derrière. La glissade. Et c'est en frame trap, évidemment. Lorsque ce dernier est huilé, toutes les frames de la canne changent. Bien joué, le Shoken cancel. Avec bas gros point Shippukyaku ex. Malheureusement, pas de juggle derrière. Alors que l'ultra était chargé. C'est dommage, elle aurait pu l'entrer et faire un peu plus de dégâts. Alors je vous rappelle que tout saut est à proscrire sur Akan. Et encore une frame trap avec la glissade de ex 36. Il est toujours en vie. Minami, toujours en vie dans le backdash, il prend die punch. Bien joué, un round de prix pour Triple 6. Ça fait un partout à présent dans cette demi-finale. Il tient bon la barre pour le moment, Akan. Ex-huilage d'entrée immédiatement cancellé par bas 3 points. Comme je vous le dis, il utilise parfaitement hein, ce mouvement-là. Ce vertical gros pied, balai punch. Et scène gros point entière. Ça fonctionne aussi pas mal, ce genre de choses. Allez, avant HK, il essaye de trouver l'ouverture. Avant medium kick, ça ne passe toujours pas. Stan high punch, la touche de hit. La glissade qui vient de faire trade avec double glissade. Akan, double hit sur le TG, dommage, le 360 qui rattrapera pas ici le backdash, même si la range est absolument monstrueuse. Ce Shippukyaku, il a pas l'ultra, il peut sauter dessus gratuitement là-dessus. Bah, medium kick, il n'y avait pas d'option select dragon dessus, dommage, parce que ça aurait pu mettre à terre et faire plus de dégâts. Avec ce dragon, il est obligé de le canceller, saut vertical HK, elle est mixe bien pour le moment. Minami, attention, toujours pas d'ultra, encore un saut gratuit, et il s'est mis dans le coin tout seul. Je sais pas si c'était spécialement indiqué. Non, cette glissade n'est pas safe, là il prend counter hit sur le bas medium kick, et encore un saut. Shoken a fait des erreurs, ce saut aurait pu se faire punir là-dessus. Il y avait Ultra dans ce saut. Et là encore, il y a Ultra. Oh là là, c'est pas possible. Te laisse pas sauter dessus comme ça. L'Ultra 2 d'Akan qui est monstrueuse. Hein. Quasiment zéro frame. Tu décolles du sol, t'es dedans. Il n'y a pas de safe jump possible ou quasiment pas. Ça n'existe pas, ça. Il aurait dû envoyer là l'Ultra. Il s'est raté, hein, triple 6. Et c'est Minami qui remporte donc ce premier match. Dommage, hein. C'est ce qu'on appelle un gros raté. Un prochain adversaire, il s'agira de Mayokala hein, qui a aussi fait toutes ses preuves avec Camille, aucun souci, même si les quelques BNB sont ratés pour le moment. Il montre toute son efficacité, joue l'Ultra 2 face à Sakura. Alors ça, pour moi, ça m'étonne complètement. Pour moi, ces Ultra 2 sont complètement inutiles. Et là, le choix contre Sakura n'est pas justifié. Alors il y a bien quelqu'un qui va me réussir à me justifier le choix de cet Ultra 2, tu vas voir. Mais honnêtement, vous pourrez dire ce que vous voulez, je vois pas là, je comprends pas. Juste pour Itatsumaki cross up, évidemment, c'est au moment où ça rentre en Tatsumaki cross up ou en cross up medium kick qui réussit à entrer l'Ultra 2. Mais ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en théorie. C'est juste de la chance. Fort heureusement pour lui, bah ça rentre. Écoute, hein, si ça passe, je n'ai absolument rien à dire d'autre. C'est parfait, très bien. Très bien, je m'incline, c'est passé, l'Ultra 2 est passé sur un cross-up medium kick. Mais on a vu, hein, de toute façon, Minami qui est pas très intelligent, il faisait des sauts déjà sur l'Ultra 2 de Akan. Donc, bon, c'est... il aurait dû perdre hein, le dernier match. Et ici, pareil,
cross-up lorsque Mayo Kala a l'Ultra 2. Faut dire, c'est pas très malin. Hein. C'est, si vous voulez, la différence entre la théorie et la pratique. En théorie, l'Ultra sert à rien. Hein. Mais là, cette Sakura semble quand même vite fait. Le cross-down est bien grillé. Ici, il se prend un dragon en essayant de mettre un coup. Faut essayer d'aller plus loin que le simple fait de faire cross-down. Et il remporte quand même ce round-là. Faites cross-down, ensuite, vous essayez de mettre votre garde. Au moins, ça provoquera des dragons dans la garde. Et juste après, vous essayerez de punir. Voilà, il n'y a pas que mix-up balai punch hein, derrière un cross-down. Il y a le mix-up rien, qui paraît peut-être un peu ridicule, mais qui peut avoir du sens. Allez, balai punch, bagro, point, shippukiak. La barre de vie, qui a pas spécialement du sens. Ura, il prend avec ce strike juste derrière. Et la mise au coin et au sol. Un petit jump cross-up bien joué de LK, qui trouve l'ouverture de garde. Et le ex-strike, alors là, j'ai absolument rien compris de ce qui passait. Mais il y a un ex-strike qui visiblement est sorti dans le bon sens. Et bagro, point, stand, high punch, évidemment, fait combo avec Camille, parce que sinon c'est pas drôle, vous comprenez, si tout fait pas combo derrière Bagro Point, on pourrait pas se marrer autant que ça. Mayo Kala qui pour le moment est toujours invaincu hein, il me semble, dans ce tournoi. En demi-finale, il rencontre Brésilian, ouais, boxeur vite fait, hein, sincèrement vite fait. C'est le boxeur wesh à 2 francs. Il y aura pas mal à mon avis Mayo Kala à le broyer, même si évidemment faut pas qu'il se prenne bourrage sur bourrage. Jab jab à medium punch, un dash avant juste derrière, juste pour prendre un coup. Et cross en évité par le back dash ici de Brésilian. Encore un dash très dans le vent. Et vous voyez, dash hopper ce coup-ci, ça se fait bien punir sur Camille, il est quand même culotté avec ce strike. Bagro point, BAMK, spiral arrow, et on saute en arrière pour éviter un headbutt au pif, bien entendu. Le stand medium punch qui a fonctionné comme anti-air, qui a empêché ici le cross-up, c'est bien joué. Cross-up likey qui casse ce headbutt au pif. Allez, c'est terminé, saving, bagro point, stand high punch, oh ça tue pas! Mais le décalage dragon sur ce saut arrière aura raison de Brésilian. 1-0 pour Mayo Kala, à mon avis, ça va aller très très vite à présent. Allez, c'est reparti. Mayo Kala qui est tout simplement en train d'attendre que Brésilian attaque et fasse les erreurs. Avec ce strike de LK, il prend un petit bourrage de jab au milieu de ses bloodstrings. Rien de pas grave, la chope qui est passée. Ça, c'est pas cross-up. Et la mise à terre sur le spiral arrow est là. Avec ce strike qui whiff malheureusement, mais replace encore une chope. Va se reprendre un stun, je parie. Ah, dommage, il a raté le Ligan Pro là-dessus. Visiblement pas la bonne range, étant donné que Brésilian était baissé, peut-être un peu plus dur. Soit HK qui gagne le combat. Soit medium kick, pardon, qui gagne le combat. Aérien avec dash avant cross down juste derrière. Encore avec ce strike, soleil kick, allez, il arrête pas avec ce strike, il a mis un coup et il est à terre. Ça sera peut-être pas stun. Empty jump cross up de LK, dommage, il a pas mis le combo maximum. Il rate son reset, il rate comment son combo et il reset du coup sur le raté avec un dash overhead. C'est complètement grillé par Mayo Kala qui envoie de LK sur le dash overhead. Hein. Je dis, il a pas énormément d'inventivité ce boxeur. Il se fait tuer en bonne et due forme ici par Mayo Kala. Ben, il reste plus qu'un seul striker et ce sera Das. Voilà. Il a dû sauver son équipe une fois, deux fois. Il va devoir sauver son équipe encore une fois. À mon avis, ça va être difficile. On joue toujours l'Ultra 2 hein, du côté de Mayo Kala. Déjà sur Viper, c'est déjà beaucoup plus justifié. Même si ça arrête pas souvent les Vipers. Ce genre de considération. Et attention, Das contre Camille hein, c'est dangereux, hein. Camille est très très fort hein, contre Viper. Va pas falloir faire de grosses erreurs. Et la première chose qui est passée, c'est parti, Das qui passe à l'action. Il rate son burning kick, alors non, ça c'est impardonnable. Et le Thunder Knuckle a relevé au pif qui se fait casser par Spiral Arrow, ça aussi c'est impardonnable. Là aussi il aurait pu prendre plus de dégâts que ça, avec ce strike de LK évité par le burning kick, soleil kick, re-burning kick. Il met toujours pas sa garde, il essaye burning kick sur burning kick. Et le dragon après Spiral Arrow qui a fonctionné comme un dash avant, un extrême dash avant qui a parcouru tout l'écran. Et sur le saut vertical de Das, et ben il a pris son dragon. 1-0, attention, la sonnette d'alarme est enfin et bien lancée. Le Stanachia qui ne casse pas ce avec ce strike et prend un énorme combo, quasiment tiers de barre. Strike encore, le combo raté de la part de Mayo Kala avec ce strike, avec ce strike. Vous voyez, si vous connaissez bien votre barre de hex, stun, hein, stun sur quoi. Il était à 50% de barre, il était déjà stun. Das, c'est dire à quel point Camille reste un perso puissant. Il y a rien à faire là, c'est pif sur pif. Hein. Il savait même plus où était le nord. Je sais plus quoi faire. Non, eh bien, tu le sais quoi faire en ce moment. Creuser ta tombe. Il ne reste plus que ça. Il n'y aura pas de miracle. Qualification pour la finale de l'équipe de Mayo Kala. Et donc, on va en finale de ce tournoi. Et ça